Les récentes découvertes concernant la chimie du cerveau ont apporté l'irréfutable preuve que la zone du langage se répartit suivant un réseau névralgique dont le schéma de transmission demeure à ce jour une énigme pour nos préfets bardés de diplômes. Il est en effet désormais évident que nos opérations de maintien de l'ordre reposent également sur ce système névralgique de notre langage. Les forces subversives ne se concentrent pas sur une zone clairement identifiée par un porte-parole de l'organisation politico-culturelle. Et donc, il est évident que les forces subversives se transmutent sous une forme de rhizome qui échappe à la modélisation de nos algorithmes. Ainsi que nous en avons largement débattu lors de notre dernier comité de pilotage, nos opérations d'infiltration et de noyautage doivent désormais se fondre dans un schéma de rhizome indépendant. Nous devons faire preuve d'unité et d'indépendance. Nos opérations d'infiltration seront désormais complémentaires avec les alliances de circonstances pilotées par nos missions diplomatiques, étant naturellement bien entendu que les différentes sections de nos services poursuivront la rédaction étayée par des faits de ces mises en garde nominatives qui, par un effet d'auto-intoxication, nous ont permis, dans un passé encore récent, de débusquer les traîtres et les renégats. L'heure est grave. Le noyautage, l'infiltration, l'extorsion des fonds, appuyés sur les chantages, appartiennent désormais à un passé à jamais révolu. Je comprends naturellement que les réticences qui pourraient exprimer certains d'entre vous, qui ont tenté d'attirer l'attention de nos élites gouvernementales sur les dégâts qu'a provoqué une auto-intoxication qualifiée de moderniste par les diplômés de tous bords qui se sont rués à l'assaut de notre service en se prévalant, et je le reconnais bien volontiers, avec une certaine habileté, derrière le concept du euro, 1 € investi doit rapporter 1 €, qui vous en conviendrait sans doute, et sans peine, aurait pu présenter dans d'autres circonstances l'élément d'une joyeuse farce spontanée. Au risque de me répéter, je tiens à vous rappeler que notre réflexion commune et sereine, qui ne présente aucune similitude avec un phénomène d'auto-intoxication hystérique, nous impose de reconnaître sans aucune contestation possible que les activités subversives des professionnels du désordre agissent suivant le même schéma que le schéma en forme de rhizome du langage. Les manifestations hebdomadaires sur les ronds-points de la République échappent à la logique du maintien de l'ordre républicain et à tout encadrement par un comité central, étatique, syndical ou politique. Notre noyautage sous forme d'infiltration décentralisée et autonome dans les structures répertoriées dans la rubrique action culturelle devient à son sens une nécessité. Il convient cependant de dissocier le laxisme du fondamentalisme. Il est hors de question de transformer notre service en un bureau d'achat d'œuvres plus ou moins moderne ou à défaut d'avant-garde, l'avant-garde étant ainsi que nous l'avons toujours constaté à notre niveau, l'arrière-garde d'un mouvement qui obéit encore une fois au principe de plasticité de notre cerveau. C'est en effet en nous faufilant dans les interstices des artistes-performeurs que nous parviendrons à contrôler les connexions neuralisées d'un mouvement social qui désormais échappe à une logique qui était fondée sur l'obéissance absolue à nos chefs, que ce soit le chef d'État, le chef de gare, ou bien sûr le chef d'orchestre. Cette dernière référence, bien sûr, n'est accessible qu'aux anciens qui ont été confrontés à la barbarie nazie et stalinienne. Et je tiens en ce sens à attirer votre attention qu'il est impossible de savoir le bénéfice que nous avons retiré de cet asile qualifié de politique que nous avons octroyé à ce piotre officiellement persécuté par une puissance étrangère qui ne se comporte plus comme un bloc hostile et homogène. En effet, les blocs étatiques, comme les blocs policiers, obéissent aussi à ce phénomène de plasticité de nos cerveaux disponibles. Le cerveau est l'univers, et l'univers est cerveau. Il serait donc stupide, et je dirais même parfaitement erroné, de considérer que l'éviction du candidat à la mairie soit un succès. Le succès appartient à des règles qui, pour l'instant, nous échappent. Qui, en effet, aurait pu imaginer un seul instant que ma fille Alexandra, qu'on connaissait tous, prendrait, contre toutes nos attentes, la décision de filmer sur ses seins l'éjaculation de ce Piotr qui avait semblé échapper au contrôle de son agent traitant, qui était devenu lui-même la marionnette de cet avocat, qui n'agissait manifestement que pour une réalisation politique, dont encore aujourd'hui les objectifs nous paraissent d'autant plus obscurs si nous les replaçons dans un champ habituel de nos connaissances de notre géopolitique. Il n'y a plus de comité central. L'humanité s'est affranchie du patriarcat et des 10 commandements du règlement d'une copropriété planétaire. La multiplication des rhizomes et l'absence de comité central renforceront notre plasticité commune. Ne commentons pas l'erreur de nous diviser. La plasticité en forme de rhizome n'est ni le bordel, et encore moins une forme d'une anarchie totalitaire. Nous sommes tous conscients de notre responsabilité. Une observation scientifique et rigoureuse finira tôt ou tard par expliquer l'agencement de ce schéma
en forme de rhizome neurologique, qui détermine l'apparition de luttes sociales, politiques et culturelles, pour ne pas dire affectives, qui n'obéissent plus à une logique électorale et à la bonne conscience des entreprises culturelles et de la réinsertion nationale. Je vous demande de ne pas vous laisser envahir par la panique. La grève de la faim de Piotr, commanditée par l'avocat, obéit à cette nécessaire observation de cette plasticité nationale qui est appelée à se fondre, malgré tous nos efforts, dans une plasticité internationale. Rappelez-vous tout ce qui est évident. Les informations précises que nous avons recueillies au fil des années sur le rôle de l'agent traitant de Piotr ne nous ont pas empêchés, par cet effet de plasticité, de retourner en notre faveur les névroses de Piotr, qui par leur plasticité ne pouvaient provoquer que des vagues, je pourrais même ajouter des vaguelettes, dans le poste de commandement que nous surveillons et qui nous surveille toujours suivant ce principe de plasticité qui rend impossible toute prévision. D'ailleurs, cette prévision ne présente qu'un intérêt limité. Personne ne pouvait parmi nous espérer que le transfert d'un disque dur dans un disque dur par un effet de plasticité numérique aboutirait à la mise à l'écart d'un candidat à la mairie qui avait été mis en place avec la seule attention de révéler les failles d'un service qui devait se fondre pour d'évidentes raisons dans le conseil contestataire de cet avocat qui toujours, par effet de plasticité, devait entraver la marche résolue d'un groupe qui avait su agir sur la plasticité des organisations qui se présentent toujours par un effet de plasticité être les représentants des travailleurs et des citoyens. Aussi, encore une fois, je vous le répète, les attitudes frontales du passé avec un ennemi sont révolues. Notre absorption contrôlée de la plasticité des luttes sociales incontrôlées deviendra l'expression d'un nouvel ordre qui, je n'en doute pas, finira par trouver la règle neurologique qui révélera scientifiquement les règles de la plasticité de notre cerveau et donc du corps social. Ces temps, n'en doutez pas, sont proches. Je ne vous demande pas de céder à la panique. Je vous demande de ne pas céder à la panique. La dissolution volontaire en tant que commis central de notre comité de pilotage restreint ne signifie pas la dissolution de l'État. PS. Je profite de cette remise en cause, que j'espère salutaire, pour vous préciser que le fait que ma fille affirme être tombée amoureuse de Piotr ne modifie en rien cette règle de la plasticité de notre comité de pilotage restreint. Restons unis. Signé Alexander, qui est Alexander, chef de service des cerveaux disponibles. Voilà. Merci pour cette intervention assez obscure qui mériterait sans doute des explications, mais que je suis totalement incapable de donner, étant moi-même le jeu de ma plasticité du cerveau.